Alors hier, on avait le droit canard enchaîné. Aujourd'hui, spéciale photo. Oui, une spéciale photo. Et je vais d'ailleurs continuer ma petite série que j'ai commencée au début de la semaine sur les plus belles photos des Jeux Olympiques de Rio. On peut préciser que c'est une série qui va vous apprendre, vous, à mieux prendre les photos. Hein, parce que vous nous donnez des petits conseils en même temps. De temps en temps, si on peut, on le fait. Regardez cette photo des volleyeuses de l'équipe américaine avant leur match contre les Chinoises. Bon, voilà, on est dans un... Contre-jour. Contre-jour, ombre chinoise, c'est du classique, mais ça paye toujours. C'est signé Matt Rourke. Regardez cette photo, la Belge Laura Vem. Alors, mince. Vous allez me dire, ah mais il a raté sa photo, il cache le visage. Mais le c'est quoi d'Arson. Qu'est-ce qui cache le visage là, l'appareil photo. Non, pas l'appareil d'Arson. Photo. Hein, c'est le cheval d'Arson. Mais non, non c'est une femme, regardez. C'est la poutre. Mais oui, c'est la poutre, c'est le bout de la poutre. Ah oui, c'est ça. Voilà, donc c'est étudié en fait, si on ne voit pas le visage, c'est fait exprès. Regardez l'américaine Sandy Morris au saut à la perche. Alors, contente ou pas contente? Pas contente parce qu'on voit le sommet de la pierre qui est déplacé. En fait, quand vous regardez le visage, vous dites elle est contente. Et en fait, vous comprenez qu'elle n'a aucune raison d'être contente. Elle crie de rage parce qu'on voit la perche, certes, mais on voit aussi la barre qui est en train de tomber. Ouais. Elle a eu quand même la médaille d'argent. Elle a sauté 4,85 m, photo de Léon Neal. Regardez le Canadien Garcia qui est opposé au Cubain Valdez lors de l'épreuve de lutte libre des moins de 65 kilos. Donc là, on voit presque le mouvement des mains. Donc c'est ça qui est bien fait. Mais regardez l'oreille. L'oreille du lutteur à gauche. Ah, l'oreille, ce qu'il en reste. Hein. On dirait de la gomme, vous savez. Alors pourquoi? Pourquoi les lutteurs ont-ils des oreilles comme ça? Parce qu'ils se mordent l'oreille, non? Non, les judokas, les rugbymen aussi ont les oreilles comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des frottements. Parce que ça frotte sur le tatami au judo, ça frotte sur le tapis à la lutte. Et dans les mêlées, ça frotte aussi au rugby. Ah, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont cartilage. Il n'y a plus qu'un petit bout de cartilage. Voilà. Donc tous les judokas ont des oreilles moches. Oui. Quand vous voyez des oreilles comme ça, c'est lutteur, judoka ou rugbyman. Jiu-jitsu, enfin c'est au sol en tout cas. D'accord. Lors de la demi-finale du plongeon de haut vol, à 10 mètres, regardez cette photo. Alors, ce qui est splendide, c'est que si on regarde de près, je ne sais pas si vous avez un grand écran à la maison, mais on voit les plis de l'eau sur les jambes de la nageuse. On a l'impression qu'elle porte une tunique, en quelque sorte. Par ailleurs, si vous êtes un peu observateur et un peu coquin, vous verrez aussi, vous aurez aussi une idée de la violence du choc quand on pénètre dans l'eau. Pourquoi? Parce que le maillot est un petit peu déplacé. Et si vous regardez bien, vous allez apercevoir deux, trois petites choses qui sont sorties. Ah d'accord, qui n'auraient pas dû sortir. Voilà. C'est une photo de François-Xavier Marie. Mais tout ça pour donner une idée de la violence quand vous rentrez dans le choc et que vous tombez 10 mètres d'un plongeoir. Surtout les couleurs qui sont spectaculaires, on dirait une toile. Alors là, on va oublier les couleurs puisque je vous propose d'aller faire un tour du côté de l'International New York Times. C'est un journal qui paraît tous les jours à Paris. Et alors, ce que j'apprécie beaucoup dans ce journal, c'est qu'il choisit avec beaucoup de soin ses photos. Et regardez, celle-ci résume tout le malheur italien. Alors, est-ce qu'on peut zoomer dessus? Alors, c'est celle du haut? Voilà, non. Ah non, celle du bas. On y vient, regardez. D'accord. Cette... tremblement de terre. Voilà, après le tremblement de terre, hein, on est une religieuse qui regarde un petit peu son portable et elle est à côté d'une échelle sur laquelle il y a apparemment le corps d'une victime. Elle a le visage un peu ensanglanté. Photo de Gregorio Borgia. Et puis alors, cette photo prise en Grèce, à Nisiros, dans le cratère d'un volcan qui fait 300 mètres de diamètre. Si vous regardez de près, vous verrez des guitares, des pianos, des clarinettes. Pourquoi? Parce que 15 musiciens ont joué pendant 10 heures. Ils ont donné un concert gratuit. Ça se passe au sud de la mer Égée. Le volcan est en activité. Il ne s'est rien passé, je vous rassure. Et c'était un soir de pleine lune. La photo est signée Pénélope Gerasimou. Merci infiniment, Patrice. Là, maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour rater vos photos. Dans l'actualité...